Bonjour. Et qu'est-ce que vous faites là? On voit, on dirait des bancs. Je reprends l'idée qui avait été faite au départ avec le menuisier qui travaillait pour vous, Monsieur Rock, je crois. Moi, quand je suis passé voir le frère Ephraim, il m'a donné donc les petits dossiers qu'il avait en sa possession. Et de ce fait, moi, j'ai travaillé sur ces papiers, sur ces esquisses primaires. Et donc, j'ai établi cette maquette qui n'est ni plus ni moins qu'un gabarit complet des joues des bancs. Et tout part de là, avec des tracés, des perçages, des emplacements de pièces qui sont tracées au crayon, mais qui représentent bien le travail comme ils doivent être faits. Alors pour moi, c'est pas compliqué parce que ce travail-là, depuis que je l'ai entamé, parce que cette pièce ici n'a pas été faite ici, il y a déjà plus de 6 mois qu'elle est faite parce que aussitôt que je suis rentré chez moi avec les plans, c'était parti, ça cogitait. Donc je suis arrivé ici avec ça, mais mon travail est déjà dans mon esprit. Comme vous êtes en prière, vous êtes qu'avec Dieu. Nous, quand on fait un travail, il faut qu'on soit qu'avec notre travail. Et il faut qu'on le visualise tout le temps. Voilà, c'est l'idée de base et en fin de compte, si on représente ça et qu'on le met à côté de ce qui est fait là, c'est exactement toutes les formes. Donc ce sont bien les formes des joues des bancs. Alors c'est bien entendu le plus gros du travail de ces bancs, puisque l'air de rien, cette pièce ici, c'est ni plus ni moins que 4 pièces qui sont assemblées les unes aux autres. Donc c'est aussi beaucoup, beaucoup de bois, beaucoup d'assemblage, beaucoup de travail. On ne peut pas faire ça dans une seule planche. Non, ça va finir par se gondoler, se fissurer. Le bois, c'est quelque chose qui n'a pas été inventé de la main de l'homme. Et le bois fera toujours ce qu'il a envie de faire. Vous avez reçu des morceaux déjà tout prêts ? Ah non, c'est un plot qui est débité en plateau. Et puis à partir de là, on trace nos pièces et on débite. On a plusieurs postes de travail qui font que, en fin de compte, sur une pièce, on peut être amené à la passer plusieurs fois sur différentes machines. Dégauchisseuse, raboteuse, toupie, scie, ponceuse. Voilà. La personne de Saint-Joseph, est-ce que vous le sentez présent là avec vous au travail? Très certainement, mais c'est le patron des menuisiers, Saint-Joseph. Donc nécessairement, il a quelque part une place dans notre vie.